les amis, il a pas pris le son, donc du coup, obligé de faire une voix off. Aujourd'hui, on se trouve pour une ouverture de pack opening. C'est parti. Bonne vidéo, les amis. Donc voilà, donc là voilà c'est tous les coffres qu'on va ouvrir aujourd'hui. Donc voilà, c'est tous les armes qu'on peut avoir. Donc c'est un peu chiant de vous expliquer et de me rappeler ce que j'avais dit. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux. Donc on va commencer avec les maquettes en fait. Les maquettes, c'est des maquettes d'armes en fait. Donc ça c'est un peu de la merde en fait, hein, à 2 centimes, 6 centimes, waouh, c'est bien 6 centimes. Donc, là on a 6 centimes, là on ouvre des maquettes, donc là c'est des maquettes en carton, 2 centimes et 2 centimes, c'est vraiment de la grosse dope les amis, donc voilà. Donc là, je m'attendais pas à avoir autant de merde dans un The Barket Collection. Ouais, ça, on n'avait pas beaucoup de chance. Là, je croyais pas du tout. J'ai cru que putain, on avait fait un peu de la merde. Donc, excusez-moi pour le son pourri de Power Director, même si c'est une très bonne application. C'est vrai que son son est amélioré. Bah, doit être amélioré. Donc, c'est vrai que ça m'embête un peu de refaire. Vous savez pas combien d'heures là je passe à refaire et à retravailler mes vidéos, à mettre les. C'est parti, on continue. C'est vrai que c'est très long, il faut avoir des applications et je suis sur téléphone, donc voilà. C'est très compliqué. Donc voilà, on continue. Donc là, on continue avec les maquettes. C'est vrai que les maquettes, c'était vraiment de la merde. Là, on recommence avec des 2 centimes. Voilà. Donc là, on avait fini enfin des maquettes. Donc là, on avait commencé les Chroma 3 caisses. Donc là, ouais, ça, bonne arme, franchement, ça allait mieux déjà. Ça allait beaucoup mieux. On passe à côté du Fama et de l'Auguste, j'étais dégoûté. Dernière caisse du Chroma 3 caisses. Voilà, boum, bonne arme, c'est vrai que c'est une bonne arme celle-là, 16 centimes. Donc là, on continue. Hop, on pompe sur un pompe et une mitrailleuse, le pompe, j'étais content parce que je l'avais jamais eu. C'est l'arme, toujours la grosse arme, j'avais déjà. Donc là, on passe au chroma de caisse. Là, je suis content parce qu'on tombe sur une bonne arme. Et puis, on peut la dernière caisse, là. Et c'est pas mal. Donc là, on continue, les amis, avec des petits guns. Et c'est vrai que là, on avait tryhard le jeu. C'était les derniers coffres, les amis. Et là, boum, je suis super content. On tombe sur sur un premium. 46$, les amis. Je suis super heureux à ce moment-là. Je suis en mode, waouh, pompe l'op. Donc là, c'est vrai que j'étais pas mal content. C'est vrai que j'étais super heureux. Des armes que je voulais avoir et on les avait eues. Donc voilà, j'étais super content. C'est un peu bête que je viens de faire un super content. Alors, les gogo, les amis. Donc voilà, là on trouve une bonne arme quand même. À 47 centimes, c'est pas mal déjà. Donc voilà, là, 20, 50 centimes. On est arrivé sur les dernières caisses, les amis. Je commence à m'inquiéter parce que j'avais annoncé 100 euros de caisse opening et je crois qu'on n'allait pas les faire en fait. Là, dans ma tête, c'était non, on va pas les faire. Et malheureusement, on les a pas fait. On est à plus de 75 euros, pas plus. Donc, un peu déçu, ça. Ouais. Là, j'étais pas mal déçu. On faisait que des petits trucs. Bon, il nous restait 8 caisses. Dans ma tête, c'était mort. Donc là, on avait 3 euros et 1 euro. C'était pas mal. On arrive là à la fin. On est à la 6e caisse. Boum. Que de la merde. Là, c'est la dernière caisse avant la dernière. C'était l'avant-dernière.
Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, je m'inquiète. Parce que là, on y a. Là, on a fait que de la merde comme arme. Bon les amis, voici et voilà les armes que j'ai. J'en supprime parce que voilà, je vais pas avoir le même. Sur ce, j'espère que vous aurez pu se reconnaître pour de nouvelles aventures avec The Alix officiel. Je vous mettrai là à la fin à quoi ça donne en fait tout entier les vidéos en fait. On dit ouais, tu fais rien, t'as pas de travail. Je vais vous faire montrer c'est quoi le travail. Ben, on fait un truc comme ça. Donc voilà, sur ce.